Merci. J'imagine le style très traditionnel, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les stylistes chinois font des choses très modernes. En tout cas, je merci à vous, c'est super intéressant. Je dois y aller. Au revoir. D'accord, au revoir. Oui, c'est super. Oui, bien sûr. Vous êtes là pour m'attendre ? Aujourd'hui, le discours est très bien. Merci d'avoir donné 5 étoiles. 其实我今天找你去有事儿的。说。我今天来学校的时候，有一个中熟人找我。啊，你要说的就是这件事情啊。我们换个话题吧。La conférence a été très inspirante. J'aimerais t'inviter à dîner avec les étudiants ce soir. Dîner ce soir. Je vous laisse.Non, Mofei, restez avec nous. Le temps a manqué. Les étudiants voudraient encore discuter avec toi. Alors ils m'ont demandé de te garder plus longtemps. S'il te plaît, ne les déçois pas. Mofei, venez avec nous. J'y vais aussi. Oui, on y va tous ensemble. Wow.Allez, assieds-toi. Cool. Bien. Here. Merci. En place. Paris. Alors, mon cher Fang, s'il te plaît, choisis ce que tu veux. Puisque c'est toi qui invites, tu commandes. Écoute, je veux te remercier pour la conférence d'aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir et choisis tout ce que tu veux. Pourquoi tu es tellement généreux aujourd'hui ? Devine. Mon cher Fang, aujourd'hui c'est ton anniversaire. À un grand créateur comme toi, je veux souhaiter les meilleures inspirations. Tu n'es pas en Chine, mais je suis ton ami. Tu n'es pas seul ici. Nous sommes tous venus pour célébrer avec toi ton anniversaire.Monsieur Fang, faites un vœu, puis vous pourrez souffler les bougies. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je me suis trompé ? Ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui.你都不知道刚刚你走了，安德烈他有多尴尬。其实我并不感谢安德烈，我根本不想过生日。所以你才不接钟叔的电话。是。我妈还在的时候，她，我。我妹，我们三个总在一起过生日。我妈走了，就只剩我和我妹妹两个人。最近这三年，我妹妹也不在我身边，我就不喜欢过生日了。对不起啊，我不知道这些。今天的事情，确实是我做的不对。明天，我会去跟安德烈道歉的。听说那间餐厅的鱼做的很好吃。是啊，你这应该吃完了再走。要不我送你一条鱼。你还会做饭呀？
祝你长命百岁，富足有余。谢谢，我一定会好好收藏的。那我先回去了，生日快乐，莫非。我知道你已经跟唐明渊在一起了，我只是希望以后你对我不要视而不见。 躲着我，避着我。既然说到这件事情，我也想和你好好聊一下。没错，我和明轩在一起了。有些事情你不在乎，可是他在乎，而我在乎他。因为在乎他，所以我才会回避你。 我只是不想造成一些不必要的麻烦，让他觉得不高兴。我跟他比，真的那么差吗？你是一个非常优秀的设计师，也是一个很仗义的朋友，从各个方面比，你都不比他差。可是感情的事情是没办法用来比较的。 我承认，我很欣赏你的才华，可也就是仅此而已。你对我来说，只是一个很棒的朋友，没有别的。那时间也不早了，早点休息。生日快乐。晚安。